Les cadets et les juniors, ce sont 8 jeunes, 15, 16, 17, 18 ans, qui font les 30 premiers et les 30 derniers kilomètres de chaque étape du Tour de France. Comme les grands, dans les conditions des grands, avec déjà le public qui est installé, avec la rampe de lancement par exemple, lorsque c'est un contre-la-montre, avec la ligne d'arrivée. Donc vraiment être dans l'ambiance, l'atmosphère. Et c'est leur donner envie, les faire rêver. Pierre Roland, il a commencé à rêver en étant l'un de ses cadets juniors qui faisait les 30 premiers et les 30 derniers kilomètres d'une étape. Voilà, donc c'est un avenir qui s'ouvre pour eux et en tout cas une manière d'appréhender le cyclisme et le Tour absolument formidable. Eh bien, il y a l'opération des cadets des juniors et nous allons les accueillir. Il y a peut-être parmi eux un champion de demain. Et le premier que nous allons accueillir s'appelle Vincent Grabeau. Autant de nous lui demander, est-ce que vous voulez l'applaudir? Bonjour Vincent, pour ce que peut signer la tête de départ. Ton champion préféré, c'est... Alejandro Valverde. Parce que t'es grimpeur aussi, toi, non? Jean-Luc Petit, merci. Voilà, merci d'applaudir donc ton cadet des juniors. France encourage la jeune génération aux côtés des magasins Culture Vélo. Allez vite, c'est parti. Bon courage à tous les 8. Ce sont des jeunes qui sont issus des clubs locaux, de la ville de départ. Et on les met carrément dans l'ambiance du Tour de France, hein. C'est-à-dire qu'ils ont la même attitude et la même approche que peut avoir un professionnel, c'est-à-dire qu'ils passent la ligne en sprintant. Et ensuite, ils ont la médaille sur le protocole avec l'hymne, donc une journée mémorable pour eux. Bonne ambiance entre tous les coureurs là, beau parcours, belle arrivée, bonne journée en compagnie des organisateurs qui nous ont fait profiter de tout ça. On s'est bien entendu tous, quand il y en avait un qui sortait pas bien, on ralentissait un peu pour l'attendre. Non franchement c'était vraiment bien. Je suis super content d'avoir roulé ici. Je pense que ça permet de se rapprocher un peu d'un rêve parce que le rêve de tout le monde c'est d'être un peu comme eux, non ?